Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le Wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Rang Ranghui. À partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre la troisième partie de l'enchaînement. Nous commencerons après une révision. La dernière fois, nous avons révisé la deuxième partie de l'enchaînement, position et mouvement de bâton. Revoyons-le ensemble. Voilà pour les révisions. Nous pouvons commencer la leçon d'aujourd'hui. Regardez d'abord une fois. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous verrons les positions et techniques de base suivantes. Position du cavalier. Position arc et flèche. Position du pas inséré. Position du pas accroupi. Frappe verticale vers le bas. Balayage horizontal. Piqué du bâton.
Rotation du corps et frappe vers le bas. Position fixe. La main droite saisit le bâton et on démarre de la position. L'esprit s'enfonce dans la mer profonde. En position. Position du cavalier. Bâton relevé. Le poids du corps se porte sur la jambe gauche et on lève le genou droit. Le bâton est orienté vers le bas à droite. Le pied droit se pose, le pied gauche se lève et on avance d'un pas. En même temps, la main gauche saisit la base du bâton et on frappe vers le bas. Le pied gauche est à plat, le genou légèrement plié, le talon droit est décollé du sol. Revenez. Regardez encore une fois. Lors du balayage du bâton, mettez-y de la force. Faites-le une fois avec moi. La femme dévote pense à son mari. Position fixe, on démarre de la position finale de rotation du corps et frappe vers le bas. En position. La main gauche s'avance pour saisir le bâton qui pivote pour se placer derrière l'aisselle droite. En même temps, le pied gauche se lève pour reculer d'un pas. Seule la pointe du pied se pose au sol. Les jambes se fléchissent et on s'assoit sur le talon gauche. Ramenez légèrement la main gauche vers soi au niveau du thorax. Revenez. Regardons encore une fois le mouvement correct. Après avoir reculé, la position est celle du pas accroupi. Refaites-le avec nous. Frottez l'oreille et piquez la joue. Position fixe, on démarre de la dernière position de la femme dévote pense à son mari. En position. Les deux jambes se tendent, on se relève et on avance du pied gauche. La base du bâton pivote vers l'intérieur pour se placer à hauteur du thorax. Ensuite, la main gauche enveloppe la main droite. Revenez. Revoyons le mouvement correct. Les mouvements de la main et du pied doivent être synchronisés. Refaites-le avec moi. Le passant fait le salut. Position fixe, on démarre de la position, frottez l'oreille et piquez la joue. En position. Le poids du corps se porte sur la jambe gauche, le pied gauche avance et l'on prend la position du petit T. Les deux coudes sont pliés, on avance du pied droit et on pique de la base du bâton en position arc et flèche. Allez-y. Revenez. Revoyons les mouvements corrects. Faites-le avec moi. Encore une fois. Regardez à nouveau l'ensemble des mouvements étudiés aujourd'hui. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous avons vu des mouvements importants et difficiles. Il est nécessaire de les pratiquer. Stop. Samo, attention à ta frappe vers le bas.
Refais-le encore une fois. Le bâton doit rester près du corps. Et la frappe se situe devant soi, dirigée vers le bas. Nous allons maintenant revoir tous les mouvements étudiés aujourd'hui. Observez bien l'enchaînement des mouvements. Chers téléspectateurs, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Entraînez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.